Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sous Sculptris, nous allons voir ce numéro 18 qui portera sur l'outil Pen Color. Alors là, je vous montre un petit exemple. Vous pouvez prendre ma petite bestiole, puis s'amuser à la peindre euh, avec les dents, les yeux, ainsi de suite. Bon, quelque chose de sympa. Donc sans plus attendre, regardons cela sous Sculptris. Ok, donc nous voici sous Sculptris. On va faire en sorte maintenant d'utiliser l'outil Pen Color, touche raccourci D. Alors, c'est intéressant, c'est que vous voyez, quand vous faites ces mouvements-là, alors ici, on n'a ni activé Airbrush ni les hein, i pour avoir quelque chose d'intéressant parce que sinon, ça ne va pas être terrible. Rappelez-vous, le airbrush, en fin de compte, ça va faire une superposition de, de texture, enfin de couleur, on va dire. Hein. Vous voyez, si je fais ça, euh, mais bon, moi je préfère l'enlever pour l'instant. Donc ici, vous voyez, on peut peindre. J'ai pris une sphère exprès, on verra ça avec notre petit personnage après, mais on peut peindre comme ça, tout simplement. Ici, vous avez deux couleurs. Vous avez la couleur noire et la couleur verte. Pour les intervertir, il suffit d'appuyer sur la touche X, vous voyez En fin de compte, c'est ici que c'est marqué Invert X. Là, je suis en vert, je peux peindre en vert. Regardons maintenant les options. Alors on a le size, c'est-à-dire en fait la taille de votre pinceau. Vous aurez donc strength, qui est la force de votre pinceau, et vous aurez le harness. Le harness, c'est tout simplement le flou par rapport à ce que vous avez déposé sur votre objet. Et si je fais ça, on voit une espèce de blur ou une espèce de flou. C'est-à-dire qu'ici, je ne suis pas à 100%. Si je me mets ici à 100%, j'aurai quelque chose, vous voyez, vraiment de complet. On se perd rarement à 100%, on est plutôt comme ça. Par contre, la force, oui, vous pouvez la mettre à 100%, voyez. Donc voilà les, très, les trois éléments qui sont intéressants à connaître. Si je continue, quand je clique ici, alors je crois que c'est touche raccourci S, pardon, S pour accéder à la palette de couleurs. Alors ici, vous voyez, on va pouvoir accéder aux différentes couleurs, soit rose, bleu, vert, et ainsi de suite. Vous aurez donc du plus faussé au plus clair. Ici, vous avez un petit curseur, c'est un peu un curseur de saturation qui permet de passer du blanc aux couleurs. Blanc ou noir, bien évidemment. Donc là, par exemple, si je veux un noir, je clique ici et je vais pouvoir peindre en noir. Super. Imaginons maintenant, je vais aller ici, je veux un rouge. Donc je prends un rouge, je me mets ici, je vais mettre par là, par exemple, je prends un rouge. Euh, Rouge-orange, on va dire. Maintenant, je veux un bleu. Alors là, je vais intervertir, je prends ici X et je prends un bleu. Et là, je fais mon bleu. Bon, super, pour l'instant, ça marche. La touche Alt permet, permet de... de switcher entre les deux couleurs. Vous voyez Sans changer le fond, mais ça permet de changer directement en appuyant sur la touche Alt. Voilà les éléments intéressants. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir cette couleur verte, la récupérer et retravailler avec. Comment faire Donc, si je clique ici, je vais essayer de trouver le vert, mais vous n'arriverez pas à trouver le même vert. C'est normal parce que. Il faudrait retrouver une couleur hexadécimale. C'est une couleur, en fin fait, de utilisée dans les créations des sites internet pour pouvoir faire ça. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la touche C et vous cliquez. Et vous voyez, automatiquement, j'ai fait ce qu'on appelle un pick-up c'est que j'ai ramassé la couleur. Vous savez, c'est un peu comme la pipette sur GIMP. Vous allez pouvoir donc ramasser la couleur. Maintenant que vous savez ça, on va pouvoir commencer à jouer avec notre bestiole. Donc, on va cliquer Open et on va ouvrir, en fin fait, de compte, le fameux fichier donc 2048. Hein, Rappelez-vous. On cherche, moi dans mon cas, Monster High 2048, histoire d'avoir celui qui m'intéresse. Alors ici, il me demande si je veux confirmer, j'ai oui, pas de problème, ça ne me dérange pas que ce soit perdu. Et ici, il vous dit que votre fichier, en fin de compte, a un mapping data. C'est qu'en gros, celui-ci a déjà des textures, a déjà une texture de pré-appliqué. Elle est vierge, mais malgré tout, elle a quelque chose. Voilà donc notre personnage. Donc on va s'amuser à le texturer. Alors ici, si je prends par exemple une couleur verte pour faire au niveau du corps, alors on va faire quelque chose comme ça, je fais OK. Le problème, c'est que si je commence à peindre, ben, je vais peindre en fin de compte tout l'ensemble. Alors c'est pas grave, on va le faire. Dans une autre vidéo, pardon, il faut évidemment cliquer ici. Hein. Sinon vous voyez, il s'est passé quelque chose de bizarre et ça ne marchera pas. Donc, on va commencer à peindre. Donc, on va se mettre en maximum au niveau de la taille. Et je vous montrerai la prochaine fois une autre technique. Donc, là, on se met en vert et on peint. Alors, là, évidemment, vous voyez, j'ai un vert, mais qui n'est pas 100% au niveau de la force. Je vais me mettre à 100% pour pouvoir peindre ma bestiole en vert. Donc, je fais ça rapidement, hein. Vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, j'ai presque fini. Donc, on regarde derrière. Hop, on fait pareil. Voilà. Ma bestiole est peinte. Rappelez-vous maintenant que l'on peut cacher des parties de vos objets, parce qu'il faut savoir que les dents c'est un objet, l'œil c'est un objet, et ainsi de suite. Là, il suffit d'appuyer sur H pour cacher l'œil. Là, ce n'est pas l'œil qui m'intéresse, c'est j'aimerais peindre en blanc l'œil et mes dents. Donc je vais cliquer tout simplement, je maintiens H enfoncé, et j'appuie, vous voyez, automatiquement, j'ai caché donc, tout l'ensemble. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le blanc. Alors là, je vais mettre saturation au niveau de curseur, et je prends du blanc. Je fais OK. Et là aussi, si je prends D, je suis en size maximum. Vous voyez, je vais pouvoir rapidement. Donc là, on va faire quelque chose comme ça. Vous voyez. Hop. Hop. Il y a une autre technique que je montrerai la prochaine fois. Bon, c'est pas mal. On arrive à aller assez vite quand même. Hein. Une fois que j'ai peint mon œil et mes dents, je fais CTRL H. C'est-à-dire que là, maintenant. Je récupère tout mon ensemble. Et vous voyez, c'est pas mal, parce qu'on a des dents bien propres, bien blanches. Il ne nous reste plus que maintenant à faire l'œil. Alors pour l'œil, je vais faire en sorte de prendre deux couleurs. Bleu et la couleur noire pour la pupille. Donc je vais ici. Je sélectionne mon curseur. Je prends un bleu. On va prendre pour l'instant un bleu plus foncé. Je fais OK. Par contre, donc au niveau de ma size, je vais faire en sorte de diminuer. Vous voyez, faire quelque chose comme ça. La force, on va pas la faire trop forte. On va mettre un petit peu plus de harness, mais pas plus. Et on va faire par petite pression. Vous voyez, là c'est pas mal, c'est même un peu trop fort. Donc je fais pomme Z de CTRL Z sur, euh, sur Mac. CTRL Z sur Windows, pardon, <laughs> comme je travaille sur Mac. Et là, on va le refaire. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Maintenant je vais prendre un autre bleu, un petit peu plus clair. Voilà. Et on va faire de même ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la size pour avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite, on va faire la pupille de l'œil, c'est-à-dire que cette fois-ci, je pars en saturation, je prends à peu près le noir, je me mets ici, et je vais commencer la pupille. Donc je vais mettre comme ça, en appuyant bien, et voilà. Et vous voyez, on vient donc de créer à peu près l'identique de ce que je vous ai montré au début lorsque je vous présentais le module Paint Color. Je n'en dirai pas plus cet outil, vous avez à peu près toutes les fonctions intéressantes à savoir. Nous verrons donc la prochaine fois l'outil Fill. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est toute la chaîne Ça pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine fois, nous verrons l'outil Fill afin de mieux comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye